J'ai que des hommes. Et quand j'ai jeté un coup d'œil à la salle, j'ai beaucoup d'hommes. Je me demande si le secteur des IT est très macho. Il y a combien de femmes dans la salle? Levez la main. Ouais, vous avez des discussions auparavant avec des responsables télécoms, des personnes qui géraient des flottes, et on a de plus en plus de discussions avec des DSI, des responsables informatiques, des gens qui, techniquement, s'y connaissent fortement. Donc ces discussions ayant changé, et beaucoup plus de complexité, on s'est dit, tiens, on va essayer d'accompagner ça en utilisant aussi ce qu'on a de mieux, c'est-à-dire nos experts en interne. Et... Bonjour, Ahmed Khalil, directeur général des PMC au Maroc. Je tiens à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui dans cet événement très important. C'est le forum de Dell Technologies à Casablanca, pour lequel aujourd'hui on fait deux choses. En fait. La première, c'est les 15 années de Dell au Maroc. Donc ça c'est important et un investissement très important. On est aujourd'hui de plus de 1700 employés et on travaille sur un plan pour le 2020 pour arriver à 2000. Donc c'est assez important pour pouvoir desservir des pays comme l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient et aussi l'Amérique du Nord. Aujourd'hui c'est un centre of excellence qui est assez vu au niveau international et un des plus importants au niveau européen. Ça c'est la première. Et la deuxième, aujourd'hui, comme vous le savez, Dell Technologies c'est une famille de sociétés. C'est un écosystème qui a été créé par le groupe dans lequel on va trouver des sociétés qui définissent et qui donnent des produits en termes d'infrastructure, mais aussi beaucoup de sociétés au niveau de la couche software, notamment la partie cloud computing. Et l'avantage de ce forum aujourd'hui, c'est qu'on a passé la matinée tout d'abord à expliquer notre stratégie. Ça a été fait par notre senior vice-président, M. Mohamed Amin, qui a fait l'honneur de faire le déplacement de Dubaï pour partager la stratégie de Dell EMC ou Dell Technologies sur la transformation digitale. Mais aussi, on a eu des témoignages de quelques clients qui ont aujourd'hui, qui ont commencé avec nous cette transformation et de dévoiler les bénéfices qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, donc, on a eu plus de pratiquement 800 clients qui ont fait l'honneur de venir nous visiter. Donc, l'après-midi sera encore riche parce qu'il y a plusieurs experts qui ont fait le déplacement des différents pays, que ce soit de le Moyen-Orient, mais aussi en Europe, pour pouvoir venir discuter avec nos clients, partager. On a même installé des maquettes et on a mis des showrooms pour que les clients puissent toucher à différentes solutions, poser toutes leurs questions et pouvoir partager aujourd'hui ce portefeuille riche de Dell Technologies qu'on est en train de proposer au Maroc. Je vous remercie. Commentaire sur vos réalisations financières au titre du premier semestre 2018 et comment vous comptez finir l'année. Comme il a bien expliqué M. Mohamed, autant on est fiers à partager avec vous le chiffre au niveau local, mais aujourd'hui en termes de chiffres régional, on ne peut pas partager. Par contre, ce que je peux partager, c'est qu'on continue à faire des croissances année sur année et trimestre sur trimestre, des croissances assez importantes à double digits. Et je peux assurer aussi qu'au niveau des parts de marché qui sont publiques cette fois-ci, on a des sources publiques, qu'on est numéro 1 sur le marché marque. شجاع محمد الهدي صحفي بجريدة أصوات. أولا مرحبا بكم في المغرب، عبادتكم تشني مرحبا بمصر الشرقية والغرب. سؤالنا هو ما هي الأفاق والتحديات الأولية التي تميز شركة ديل في سوق المنافسة الشرسة، وهو أجوبتكم المستقبل، يعني ما هو يعني شنو غتقدموا للمغاربة مستقبل وشغل. التحدي الأول مع أي منافس بيبقى عدم الوضوح في الرؤية، إن المنافس بيقول للعملاء أشياء على المستوى من غير تفاصيل، وساعات لما تقرا أنت رأس العنوان ساعات بيبقى خادع، فده اللي إحنا بنحاول إيه أهم التحديات عندي. أنا دايماً بقول للعملاء عندنا لازم تخش في التفاصيل، خصوصاً في تكنولوجيا المعلومات، أوكي؟ ما تاخدش راس الموضوع فقط، ما تخشش في التفاصيل، لان احنا في شركه ديل تكنولوجي مهتمين بالتفاصيل دي، لان احنا الوظيفه الحقيقيه لينا مش ان احنا مجرد نبيع سواء سوفت وير او بنيه تحتيه. المهمه الاصليه لينا كيفيه الشراكه مع العملاء ومع الحكومات في التطوير وفي الاقتصاد الرقمي
وفي تطوير اعمالها. يعني شركه ديل واعيه ان احنا بنخلق التكنولوجيا لمساعده الاخرين والتطوير وتطوير العنصر البشري بشكل عام. فدي اهم حاجة عندي ان انا، وعشان كده احنا بنعمل المؤتمر ده وبنعمل الندوه الصحفيه دي عشان نوضح ان في تفاصيل كتير لازم كل واحد يقدر يفهمها. تاني حاجه، التحول اللي هيحصل في العشر سنين الجايين هيبقى اقوى واكثر جراءه من التطور اللي حصل من اول ادم والخليقه لغايه النهارده. التطور في العشر سنين الجايين هيبقى تطور غير طبيعي. رهيب. يمكن انا اديت امثله كتير في البرزنتيشن بتاعتي ان اللي احنا بنفكر فيه النهارده، يعني كل الناس بتتكلم على السيارات بدون سائق، اوكي؟ دون هيخلي فيه وظائف تنتهي. فلو احنا ما استثمرناش في التطوير البشري دون هيخلي فيه ناس كتير ما عندهمش وظائف. فلازم نخلق وظائف بشكل اخر مع الاقتصاد الرقمي. وده اللي احنا كل حته عمالين نقوله في ندوات كثيره، وزي ما زميلي حبيب قال ان احنا بنختار بلاد محدده واللي هي البلاد المهمه بس عشان نعمل فيها ندوات مماثله لغايه كده.